Bouba, on t'annonce qu'on aura quelques minutes de retard, on s'en excuse, mais on va garder au moins 5 minutes l'antenne supplémentaire avec Albe. Pour commencer, félicitations. Merci, merci beaucoup. Quel kiff après le concert? Super, bien, enfin, ouais, non, bien. Ouais, c'était agréable, ils étaient bien, la salle est bien, on était pas mal, je crois, enfin... J'espère. Et le son plutôt sympa aussi, hein, aussi en façade. Ah oui. Franchement, oui, hein. Agréable. Voilà, pas agressif, ça vaut aussi le préciser. Ouais. Des fois, on est un petit peu déçu parce que ça sonne pas comme on aimerait. Mais là, en tout cas, voilà, c'était super agréable. On est avec Céline hein, pour cette toute ouais, coucou. Dernière partie d'émission. Les dernières 5 minutes, les minutes de Monsieur Cyclopède. Moi, j'ai entendu dans votre show ce soir, on en parlait tout à l'heure avec Céline, un petit bout d'Orange Blossom. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça parle, Timothée? On va laisser la parole à Timothée, du alors, coup. Hein. Orange Blossom, non, a priori, je... Alors, pourquoi? Parce que c'est un groupe qu'on aime particulièrement, que j'aime particulièrement, qu'on a eu le plaisir de faire et qui était en concert à Roubaix, il y a 2 ans de ça, je pense, pour Pas de quartier pour les inégalités avec La Fève, un concert absolument mémorable, dantesque, et où on retrouve ces sonorités de violoncelle, de samples, d'influences diverses et variées, peut-être un peu plus tribal que ce que vous avez fait ce soir, mais on a quand même un sens bien tribal. Ça, aussi. Ça fait plaisir, ouais. On a cherché un peu ça, et Orange Blossom, ouais, je les avais vus au Pharos il y a 2 ans, je crois. Et bah ouais, ce côté tribal, ce côté un peu ethnique, un peu world aussi. Alors il y a beaucoup les influences timothéennes au violoncelle, et puis les percus de Albe aussi, qui ont, voilà, par rapport à mes textes, qui sont pas franchement peut-être dans, voilà, des racines. Mais moi, ça me fait plaisir d'entendre ça, ouais, pour la musique. Pareil pour vous, quel sentiment au sortir du concert là ce soir, de ce concert au Labo Atom? Bah, en fait, pour moi, faire un concert, c'est comme peindre un tableau et lancer plein de couleurs dans la nature, sur le public. Et c'est vrai qu'il faut le temps après que je redescende, que je sorte de ce bain de sons et de couleurs pour pouvoir atterrir un petit peu. Ça veut dire en gros que, bah, pour moi, ça veut dire que ça plane en fait pendant les concerts, toujours. C'est toujours des états un peu seconds où on ne sait pas quelle sera la destination du voyage, tellement à chaque fois on redécouvre tout ce qu'on fait. Pareil. Ouais, au fruit de pas mal de travail quand même, faut l'avouer, parce qu'il y a une grande chanteuse d'opéra, Maria Callas, et on lui avait dit, mais vous êtes tellement ému, comment vous faites, vous ressentez quoi? Elle a dit, bah, vous savez, si je me laissais juste à être ému, qui chanterait? Donc c'est un boulot aussi. Mais bon, cela dit, non, c'est un super moment surtout de partage avec le public et entre nous aussi, hein, on s'entend bien et on se redécouvre en scène, quoi, c'est génial. Il y a un chouette côté scénique aussi, très épuré, vous êtes 3 donc forcément, mais à la fois le fait de pouvoir jouer plusieurs instruments, à la fois le fait d'avoir une présence sur scène qui est assez hypnotisante, enfin, y a quelque chose de très particulier. Le regard. Ouais, là vous pouvez pas le voir, mais vous l'avez entendu. Et regard. La cravate dans les cheveux aussi, je pense que ça aide c'est ça. Pour hypnotiser les gens. Mais y a quelque chose aussi d'intéressant sur le plan scénique. C'est quelque chose qu'on travaille aussi au moment des répètes et tout ça. Lou, il triche parce qu'en fait, il est metteur en scène, il est comédien. Donc tout ça, forcément, à un moment donné, ça passe, et ça repasse. Et il nous dit, ah bah tiens, il faudrait que tu t'habilles comme ça, tiens. Et donc on discute de ça. Enfin, on a tous une grande liberté là-dedans, une liberté de parole, une liberté d'action, de proposition. Ouais. Donc c'est ça qui est chouette parce qu'on vient tous les trois un peu de cet univers aussi. Et du coup, c'est vrai que... On aime bien le côté aller voir un concert et pas seulement l'entendre, quoi. Donc pour ajouter au côté hypnotisant de ces boucles qui tournent en rond tout le temps, c'est vrai que visuellement Louis travaille sur un costume qui devient un autre costume, puis encore un autre détournement, voilà, détournement de costume, parce qu'on a plein d'envie au départ, on se dit ouais, je vais me maquiller, je vais mettre un super costume et tout. Puis après, on est pur. Puis je me suis fait aider d'un metteur en scène, Thomas Génari, de ma compagnie Techné. Hein, je fais un peu de pub en même temps. Ouais, compagnie Techné. Voilà, compagnie Techné. Ah, sur Arras. Sur Arras.
Et il m'a dit, vous savez, vous êtes comédien, et plutôt que d'avoir un super costume, ben, détournez une veste, voilà, habillez-vous normal, et puis cherchez comment détourner ça, dans, d'où la cravate dans les cheveux, un peu corsaire à la Bowie, et puis la doublure, en fait, je me suis dit, mais ouais, il met sa veste à l'envers, brillante, en fait. Il faut super. Le dire quand il même. Il retourne sa veste à chaque concert. Il retourne sa veste. On peut le dire, Ma veste. Sa veste, elle brille d'un côté et de l'autre, elle est noire, donc il peut faire vraiment toutes les couleurs, il peut renvoyer de la lumière comme il peut en absorber. C'est un caméléon. Et à un moment donné, il la met dans sa tête, enfin autour de sa, enfin je sais pas, il devient une espèce de Madone très étrange avec cette veste. Moi j'adore Nina Hagen. Ouh, bah là tu vas aller croiser Francesco qui est à l'écoute là au moment même où on parle, c'est lui qui fait le retour d'antenne. Ah. Quand on lui demande ce que tu veux passer, il dit du Nina again and again and again. Donc vous auriez sans doute l'occasion. Oui, un petit peu ce côté fou, je tiens à le préciser, parce qu'il y a un petit peu de ça, mais aussi cette qualité de voix, ce choix des textes, ce choix aussi de la déclamation. Ouais, on est aussi avec cet univers. Peut-être Céline veut intervenir là-dessus. Oui, parce que toi, tu étais avec Orange Blossom, et moi, j'ai cru... En tout cas, j'ai parfois deviné une petite influence dominicaine. Ah bon. Bah ouais, bah je l'écoute, hein, j'avoue, de temps en temps aussi. Bah ouais, non mais c'est sûr, puis c'est de la chanson à texte, chanson française, et ouais, ça je comprends très très bien. Puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi en plus, qui est très honnête dans ce qu'il fait, oui, puis il y a des magnifiques chansons, donc voilà. Aussi. Ouais, c'est encore des carrément. Beaux compliments. Bon, on sent bien les influences donc. On va pas pouvoir s'étendre plus que ça. La première chose que je dirais, on l'a dit tout à l'heure et on le répète, mais vous êtes les bienvenus sur Boomerang tantôt dans une émission où on aura un peu plus de temps, etc. etc. Là, ceci dit, il y a déjà tout le concert qui est passé là ce soir à l'antenne. Super, merci beaucoup. Et c'est toujours un plaisir. Et voilà, on aura le plaisir de vous retrouver sur Boomerang bientôt. Là, pour ceux et celles qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Rapidos sur la toile et Rapidos dans les salles de concert? Eh ben, en fait, les dates sont actualisées et à jour sur le site vouslegroupe.com, parce que c'est vrai, quand on tape vous dans Google, on ne peut pas tomber immédiatement sur nous, j'avoue. Donc, il faut taper vous le groupe, tout collé, tout attaché, vouslegroupe.com. Et là, donc, il y a toutes les dates. On va jouer pas mal sur l'île là, pendant une année. Ça va quand même être beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Le 29 juin au Damsey, le prochain concert. Le 29 juin au Damsey. Chez Camille. Exactement. À qui on fait un gros bisou pour le festival Culture Barbare, notamment, qui fait énormément de bien à la vie artistique lilloise. À faire bouger la nuit un petit peu. Et puis peut-être aussi, après tout est sur le site, toutes les autres dates, mais il y en a pas mal. Les Facebook aussi, le Facebook du user group, c'est bon. Oui, on peut. On retrouve. Je mettrai un lien vers vous, effectivement. Il y en a pas pour l'instant, mais j'en mettrai un vers moi-même. Je mettrai un lien vers moi-même. Pardon, on fait notre petite popote là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je pense que c'était prédestiné, hein. Ça c'était un peu dans la réflexion. Le plateau radio qui se termine comme ça, c'est cool. Alban, on va peut-être terminer avec toi. Ouais. Juste parce que non seulement tu sors de scène avec vous, mais en plus parce que c'est toi qui as organisé, mis en place cet événement, on l'a évoqué. Dans les deux, trois mots pour saluer celles et ceux qui ont contribué à cette soirée. Ah oui, effectivement, merci. On peut dire merci au labo, on peut dire merci aux deux users, Grégory et Omar. Vraiment, ils ont bien joué le jeu, c'était génial ce qu'ils ont fait. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est excellent. Et merci à vous aussi d'être venus, d'accepter de venir et tout ça. Et merci à Boomerang. Et rendez-vous à la rentrée, inscrivez-vous sur le Ableton User Group, que vous utilisiez live ou pas, même à la limite, que vous soyez débutant ou pas, histoire d'être tenu informé des actualités. Il y a souvent des workshops, il y a souvent des rencontres. En fait, la coutume aussi, c'est de faire une jam électro, parce qu'avec live, on peut aussi faire ça, synchroniser à plusieurs et jammer comme ça, buffer, quoi, comme on dit à l'ancienne, buffer ensemble avec des ordinateurs et des instruments et tout. Donc a priori, à la rentrée, avec l'Armstrong, on va préparer ça. Une jam métissée, voilà. Et bien voilà, it's up to you, comme on dit par chez nous, ou chez nos amis anglo-saxons. À vous de jouer, messieurs, dames, à vous de vous faire plaisir d'abord. Tous les témoignages qu'on a eu ce soir de ce Ableton User Group 12e édition ce soir au Labo Atom.
On est toujours en direct. 17 rue Gemap à Lille. Et ouais, et en direct encore pour une heure durant, avant de passer la main à Booba tout à l'heure qui sera et qui est peut-être déjà calé dans les studios. On lui fait un gros bisou. Ouais, elle Booba qu'on embrasse. Voilà, Planète Funk de 22h à minuit tout à l'heure sur Boomerang. On va remercier Greg et on va dans quelques instants retrouver l'équipe des Vous. Hein, voilà. Lou, Timothée et Albe. Voilà pour ce dernier concert que vous avez le plaisir de vivre ce soir en direct sur Boomerang, que vous pouvez encore venir voir si vous êtes sur l'île, et si même vous n'êtes pas sur l'île, vous pouvez encore venir. Et puis derrière, à 22h, on aura nous rendu l'antenne. Ouais. Mais c'est la jam, voilà. Ça donc continue ceux ici qui veulent venir jouer. Bout de la nuit avec la jam, exact. Voilà, Céline, Monsieur Francesco également, retour d'antenne, et Fred pour ce petit décrochage en ce samedi 2 juin. Merci en tout cas de nous accompagner. On va se rebalancer un petit ça peu y est, de c'est son, parti. Mais je crois ça que c'est parti. Bon. Je crois c'est que parti. C'est bon. Allez, messieurs, dames, yalla!
Crowd control to Major Tom. Crowd control, I'm a black star. Bonsoir. Après cette reprise de Serge Gainsbourg en hommage à David Bowie, voilà pour les références, venons-en à vous. Je t'aime. Tu m'aimes. On s'aime pareil au même. On se selfie à soi-même. Je m'aime. Tu t'aimes. On est bien tous les mêmes. On se selfie à soi-même. Wow. Je t'avoue de toi à moi. Y'a un truc qui me pose un problème. Tel que je me vois, moi, même, moi, même. Un kiff fictif en langage intuitif, on se selfie. Un pic, un clic, un émoi numérique. On se selfie à soi-même. Wow. À présent que je te vois, en réel y a comme un problème. On n'est pas toi et moi. Accro à la cam, schizocentrique, on spam. Cybertrafic, accro à la cam, schizocentrique, on spam. Eh bien, c'est vous. Merci. Que vous entendez. Non, il faudrait pas à croire. L'instant, en direct, du La Boîte Homme. Égocentrique. Allez,
on vous laisse avec vous. On s'appelle vous. Hein. Donc nous, c'est vous. Et vous ? Ah, chacun d'entre vous, en fait, c'est je. Mais Rimbaud a dit, je est un autre. Ah, double je, comme dirait Zazie. Ah, complexe les histoires d'alter ego. Comme ça. Eh, moi, je t'ai rien demandé. Bah, c'est peut-être pas moi qui te regardais. Qui te regardait, te regarde. Ce que je veux, il n'y a que moi que ça regarde. Tu n'as qu'à te le demander. Mais prends garde, cœur de pierre.
toujours en direct sur Boomerang, le groupe Vous, en direct du Labo Atom à Lille, Radio Boomerang 89.7 FM. Dans ma ligne de mire, tu te tiens en orbite. Amour passager, satellite, adultère orbital. Beauté stellaire, tu me sidères. Dans ton regard froid, sidéral. Objet céleste, corps étranger, je pressens le danger, mais je reste. C'est viscéral, un instinct ancestral, l'attrait du mal. En gravité, tu fais genre, transgenre. Merci Albe, au Ableton Push. Timothée Couteau, violoncelle électro. Et cette fois, comme annoncé précédemment, si je me trompe pas, cœur de pierre. C'était la pleine lune il n'y a pas longtemps, non ? Il me semble. J'ai un cœur de pierre, mes yeux sont des cailloux que je lance de travers pour porter des coups. J'ai des dents bien blanches pour les tacher de sang, pour mordre dans la chair jusqu'au sentiment. Langue de vipère, j'envenime tout. Tapis dans ma tanière, je hurle comme un loup. J'ai une dent entière, j'ai besoin de vous. J'attends que l'amour vienne pour lui sauter. J'ai l'esprit pervers, mes yeux sont des bijoux. Quand je cherche à vous plaire, je fais les yeux doux. Mais d'un mot qui tranche, je vous glace le sang. Je vous fais payer cher mes bons sentiments. Provoquant et fier, je vous pousse à bout. Au jeu de la colère, je gagne à tous les coups. Rien qui me retienne, vos pleurs je m'en fous. J'attends que l'amour vienne pour lui sauter au cou. Je suis un loup-garou. Ma mère, c'est la
lune, rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Je suis un loup-garou, ma mère c'est la lune, rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Errant solitaire, je vis comme un voyou. On me jette la pierre, je rends coup pour coup. Je prends ma revanche du mal que je ressens. J'ai peur d'être sincère, je triche et je mens. Monstre sanguinaire, je suis loup-garou. Du fond de ma tanière, je hurle comme un loup. La lune est entière, je tombe à genoux. Ma mère est trop lointaine pour lui sauter au cou. Sanguinaire, j'envenime tout. Tapis dans ma tanière, je hurle comme un loup. La lune est entière, je tombe à genoux. Ma mère est trop lointaine pour lui sauter au cou. Je suis un loup-garou. Ma mère, c'est la lune. Rousse, blonde, brune, elle m'a rendu jaloux. Je suis un loup-garou. Toujours en direct de Radio Boomerang avec vous, le groupe Vous au Labo at Home pour cette 12e édition du Ableton User Group Live. Et, théâtre, il y a des super enchaînements, mais dans la musique, et ça enchaîne pareil, tout de suite. Quoi, on se retrouve là à 22h. Tout ce qu'on sème, référence à quelqu'un qu'on a cité au départ. Débarrasser le plancher, il y a des bouts de nous éparpillés un peu partout dans l'appart. Pourtant, on a fait bon ménage, une vie rangée, un bonheur sage. L'amour, c'est fou, même à nos âges. S'abîment nos sentiments usés par le quotidien. Tous ces petits bouts de nous par terre, une histoire qui tombe en poussière comme dans un refrain gainsbourgien. Thank you.
L'amour est fragile à l'usage. Il suffirait d'un coup de vent que l'un claque la porte. En partant, pas besoin d'aspirateur. Laisser s'envoler les souvenirs, et pour le meilleur ou le pire, s'en aller et s'aimer ailleurs. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Merci. Ah, on arrive déjà, si je ne me trompe, à la moitié du concert. Ouais. Ah, il est temps de réveiller l'auditoire. Ouais. Astuce théâtrale, changement radical dans le répertoire. On va vous proposer un petit air d'opérette, parce que bon, c'est bien, les Ableton Sessions, tout ça, la musique électronique, hein, mais la bonne tradition française quand même, l'opérette d'Offenbach, vous connaissez ? Ah, Offenbach. Un petit air, voilà, sympa, léger, décontracté, la veuve du colonel. Offenbach. Hommage à Nina Hagen et à toutes les femmes de caractère, Ingrid Cavan, enfin tout ça. J'ai chez moi regrets éternels, son casque sous un verre. Maintenant, je vise à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, ça demeure. Il est content mon colonel, ou du moins, je l'espère. Est-il content mon colonel, repousser leurs prières.
refus si formel, repousser leur prière, que de là-haut, oh, du haut du ciel, sa demeure dernière, il est content, mon colonel, il est content, mon colonel, ou du moins, je l'espère. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang en direct du Labo Atome. C'est le concert de vous que vous écoutez actuellement jusqu'à 22h où Booba prendra la relève avec Planet Funk. Bon allez, on va redevenir sérieux. Hein. On est dans une Ableton session. Sérieux. Il y a le grand organisateur qui est là. Hein, donc, Le vrai mot, c'est le Ableton User Group. Oh, pardon. Sorry. Bon, alors, oui, non, on va redevenir très sérieux, franchement. Parce que parfois, les chansons, on les écrit pour des gens qui ne sont pas là, qui ne sont plus là, mais qui nous accompagnent tout le temps, qui sont toujours là, finalement, auprès de nous. Et c'est le cas de la chanson qui suit. Et cette chanson s'appelle... Je ne vous cache pas quelque chose. Petite mort. Hop. Déchu, amour tombé du ciel, tu m'as donné des ailes pour te porter au nu. Blottis-toi dans mes bras, tête contre mon cœur, réchauffe-toi à la chaleur de nos corps mis à nu. Et n'aie plus peur, dors, mon ange d'or, mon trésor, à l'abri du dehors, ne crains plus le mauvais sort. N'aie plus peur, dors, mon ange d'or, sans remords, d'avoir une fois encore cédé à la petite mort. S'envoyer en l'air plus haut qu'au septième ciel. Mais comment en faire, sinon retourner en enfer? Te fait peur, abras le corps, prends la douleur, à présent ne fuis plus, lavé de pleurs d'or, mon ange d'or que j'adore, épuisé par l'effort, profite du réconfort, d'un doux rêveur d'or, mon ange d'or, songe encore, qu'ensemble on est bien plus fort, pour vaincre la petite mort. Mais comment faire pour s'envoyer en l'air plus haut qu'au septième ciel? Mais comment faire sinon retourner en enfer? Thank you.
t'es brûlé les ailes, tu as perdu la vue. Niche-toi dans mes draps, encore pour quelques heures. Repose-toi dans la douceur d'un confort inconnu. Crois au bonheur, dors, mon ange d'or que j'adore. Épuisé par l'effort, profite du réconfort d'un doux rêveur. Dors, mon ange d'or, sans remords d'avoir une fois encore cédé à la petite mort. Septième ciel, mais comment faire sinon retourner en enfer? Comment faire pour s'envoyer en l'air plus haut qu'au septième ciel? Mais comment faire sinon retourner en enfer? Merci. C'était pour Dolores. Alors, c'est pas la Dolores des Cranberries, hein, qu'on regrette beaucoup. C'est une amie, Dolores, voilà, qui est comédienne aussi, chanteuse, et qui est toujours là avec moi. Avec
retenir tout cet émoi au fond de toi. Chante les moi, ces mots que je ne connais pas. Je les chanterai en chœur. Chante les moi, ces mots que je ne connais pas. Chante les moi, je les chanterai en chœur. Quand enfin tu le trouveras, celui dont tu as le désir, cet autre toi qui n'est pas moi. Je crois que parfois, cet autre toi, c'est un peu moi. Des mots que je ne connais pas. Chante-les-moi, je les chanterai en cœur. Chante-les-moi, ces mots que je ne connais pas. Chante-les-moi, je les chanterai en cœur. Avec toi. Radio Boomerang 89.7 FM, il est 21h44 et on est toujours en direct du Labo Atome. Et c'est vous qui joue à l'instant pour vous. Et nous, on est bien. Bon, alors, dans le registre sérieux maintenant, toujours, hein, parce que maintenant on est passé côté sérieux. Tu serais moi, tu ferais quoi ? Tu serais moi, tu ferais quoi ? Continuerais-tu à t'attendre ? Tu serais moi, tu ferais quoi ? J'ai parfois du mal à comprendre cette étrange amitié, cette façon d'être toujours ensemble. Cœurs et poings liés, ça ressemble à de l'amour à s'y méprendre. Plus rien à comprendre.
ne pouvait pas en rester là. Un jour il fallait s'y attendre. Cette étrange amitié, cette façon d'être toujours ensemble. Faudrait m'expliquer si c'est pas de l'amour. Les histoires d'amour, effectivement, c'est compliqué. Ah oui, je voudrais coincer ma bulle dans ta bulle, poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium. On égrène des petites références hein, comme ça. Alors, il y a Timothée qui veut déjà s'en aller. Mais le train n'est pas encore là parce qu'on sait bien que c'est un jour de grève. Donc, le train, on n'est pas sûr de l'attraper. Ma vie sur des rails, c'est après, après. Mais enfin, c'était pour vous annoncer que c'est bientôt terminé. Il va falloir se séparer. Mais quand on se sépare, on se retrouve toujours. Comme va le prouver cette chanson, à perdre haleine. C'est la faute des machines, tout ça. Les machines. C'est dit ce qu'on s'est fait, il y a tant de choses à regretter, mais ça ne mène à rien. De revenir sur le passé, dès à présent seul doit compter. Demain, je n'ai plus de temps à perdre, que du retard à rattraper, de l'avance à prendre, je cours à perdre haleine. Je n'ai plus de temps à perdre, que du retard à rattraper, de l'avance à prendre, je cours à perdre haleine, te retrouver, te retrouver. Plus de temps à perdre, que du retard à rattraper.
toi je ne suis rien. Je te rejoins, je te promets, à nous deux on pourra changer. Demain, je n'ai plus de temps à perdre, que du retard à rattraper. Pouvoir recommencer, pas le concert. on va se quitter, voilà. Alors, on va prier ou on va faire un vœu pour que la SNCF fonctionne. On va repartir en train. Jingle. Ma vie sur des rails. Allez, un dernier petit voyage avec vous ce soir en direct sur Boomerang, 21h54. Et avec Céline, avec Francesco, on clôturera tranquillement cette émission après le concert de vous. Remerciant Omar EK qui était là tout à l'heure et en intro de cette soirée, Marathon qui a fait la suite. Et vous, à l'instant, Booba, peut-être es-tu à l'écoute. On aura 5 minutes de retard, on va se dire ça comme ça. Et on se retrouve après avec Planet Funk. Allez, Radio Boomerang 89.7 FM. Ma vie sur des rails, 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 ma vie sur des rails. Je passe ma vie en train de faire mes petites affaires. Je m'affale sur des rails, mais sans entrain. Ma vie sur des rails, je mène ma vie grand train. Wagon de première, solitaire sur des rails, dans mon train-train sur des rails. Ma vie sur des rails, j'ai laissé mes envies sur le quai. Ma vie sur des rails. Thank you.
Merci à vous, sans jeu de mots. Et Radio Boomerang qui nous surveille, qui nous espionne. Attention, méfiez-vous de Radio Boomerang. Merci, merci à Ableton User Group, c'est bien ça ? Ouais, Alb qui a tout organisé, Ableton Push, et qui a joué, Timothée Couteau. Merci au labo et aux gens du labo Atom. Et merci, je suis désolé, j'ai pas retenu les prénoms, mais pour ceux qui sont passés avant, et c'était super, voilà. Merci.